Bien, salut à tous et à tous, c'est Ornimer. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de notre série sur Minecraft Cities. J'aime bien dire en anglais Cities parce que ça sonne très bien. Donc, on s'était laissé la dernière fois sur le parc, si je me souviens bien. C'était le parc. Et là, on va passer sur le fast food. Non, pas le restaurant, le fast food. Donc, tous les 5. F5, boum, voilà. Donc voilà où on en est. Pour l'instant, on a la vie qui a très très bien avancé. Ça, c'est le bâtiment là, le building. Et ça, c'est le shop. Pour acheter le shop. Et là, j'avais commencé un petit peu à faire un fast food. Un petit peu aux couleurs de McDonald's, pour ceux qui connaissent. Et je me suis demandé si une couleur un petit peu plus. Comme ça, ça rendrait mieux. Ah, j'aurais pas imaginé. En blanc, on va dire qu'en blanc, ça rend bien. Parce que là, en fait, c'est plutôt du rose. Ils appellent ça du blanc, mais bon, je trouve ça plutôt rose. Rose, rose, rose. Après, en laine. Bon, il aurait fallu faire tout en laine, en fait. C'est ça. Il aurait fallu faire tout en laine. C'est jeune. C'est jeune. Voilà. Non, c'est beaucoup mieux en quartz. Y a pas photo. Beaucoup mieux. Donc je vais faire la structure aux alentours, je vais faire le sol, l'intérieur. Et on se retrouve tout de suite. Tout de suite les gens. Eh bien, donc on se retrouve à la fin, enfin j'ai pas tout fini, mais j'ai un petit peu fait l'intérieur, l'extérieur, voilà comment ça rend. J'ai fait aussi le drive qui va être ici, et au-dessus, il faudra que je pense, j'avais une idée de faire ça, vous voyez, un truc comme ça, mais bon, on verra, je verrai après, je verrai ce qui rend mieux, et aussi faire un logo. Donc j'avais pensé à B comme Blood Burger, vu que c'est pas, je vais pas faire la pub pour McDonald's, voilà. Donc voilà comment ça rend l'extérieur. Donc on a les lumières, ici on a les gens pour le drive, là ici vous pouvez prendre les hamburgers. Je pouvais pas faire le fourneau donc j'ai fait ça, puis voilà ici pour passer, bien sûr le joueur ne pourra pas aller ici. Et voilà, ça fait un petit peu de déco, donc on peut enlever ça et on peut enlever ça. Donc on va faire ensemble les bornes. Les bornes, quand on rentre, on a des genres de bornes. Et on a aussi. On va prendre ça. Non, on va prendre ça. Et ça, ça pourrait bien rendre, j'imagine. Alors là, je vais faire les tables. Table qu'il y a dans le fast food, les tables bien sûr qui contiennent un petit peu tout dessus, les pailles, tout ça. Voilà, fait un petit peu droite, voilà, ça rend bien. Les bornes qui vont être une borne ici, la borne on va la faire comme ça et comme ça, voilà. Comme ça, voilà. Donc voilà comment c'est les bornes. 3 caisses, 3 bornes. Maintenant les tables. Les tables, on va les faire avec ça. Mais on va prendre ça. Ah, ils sont pas mal les têtes de squelette dans ces surpacks. On va prendre ça. Et des pressure plates. En fer. Place plate en fer. Et aussi ici je voulais faire une ouverture qui rendrait comme ça, et où juste devant il y aurait des endroits pour manger, voilà, mais un petit peu plus en hauteur, voilà, voilà, qui vont bien rendre. Comme ça. Ah, problème.
trop grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va. On va prendre ça et on va mettre une chaise. Voilà. Ah non, ça rend pas très bien. I don't like. Donc, on va juste mettre ce que je voulais et que je n'ai plus dans mon inventaire. Voilà. On va mettre ça avec les chaises. Comme ça, sachant qu'on va enlever ça, là on va mettre 3, on va enlever celui-là, donc ça change un petit peu. Voilà, maintenant on va faire une table de 4 ici. Même faire une table pour deux. Bien sûr, ça c'est un fast-food, ce n'est pas le restaurant que je vais faire plus tard. Voilà. Et on va en foutre un. Hop, en plein milieu. Voilà. Ben voilà, le petit fast-food est maintenant terminé. Ici, je pense, je vous montrerai dans le prochain épisode, hein, je vais pas faire une ellipse. Mais je pense que je vais faire ça comme ça ici. Que je vais recouvrir comme ça. Et que je vais faire alors, asymétrie, c'est ici que je vais faire un truc qui monte comme ça et un truc qui fait un rond. Va l'appeler le Blue Burger parce que voilà, c'est le Blue Burger. Et bien sûr ça. Voilà. On va faire un B en jaune à l'intérieur. Je vois bien le petit B en jaune. Ah, c'est un 8 ça. Comment je pourrais faire un B? Comme ça. Blue Burger. Comme ça, en fait, il faudrait faire plus gros ici. Oh, un B comme ça, c'est beau ça. B comme Blue Burger, on peut même faire un truc comme ça. Voilà, un truc comme ça derrière. Ça rend pas trop mal. Je peux même faire. Voilà. Après, c'est pas non plus l'art. Voilà, le Blue Burger, il est pas mal. Je pourrais même faire un truc comme ça derrière aussi, là. Voilà le Blue Burger. Ah j'aime bien, j'aime bien. I like, I like. Je peux même faire un petit relief pour pas trop que ce soit trop carré. Hop. Commencio. Et voilà. Et voilà le Blue Burger. On va voir comment ça rentre là-bas. Puis je vais vous laisser voir cet petit épisode du fast food. Voilà, ça rend pas mal. Je voudrais pas non plus que toi tout soit fixé. Que toutes les portes me fassent jusqu'à la mairie, c'est pas du tout mon but. Mon but c'est de faire une ville en fait.
qui n'est pas tout n'est pas fait sur la mairie. Voilà, bon, je vais vous laisser voir cet épisode. On se retrouve pour le prochain épisode. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Allez, kiss tout le monde.